qui n'arrivent pas à réfléchir avant d'agir, qui ne... qui s'appelle CAFACI, qui est l'initiative de coopération entre Afrique-Corée en matière d'alimentation et d'agriculture. Notre fondation ne travaille pas non seulement sur le domaine diplomatique et politique, mais surtout sur le domaine économique aussi. Donc on a discuté et que nous allons travailler ensemble pour augmenter cet investissement et le commerce entre ces deux pays. Entretenir avec son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise sur le numérique, surtout que votre gouvernement s'intéresse grandement dans ce domaine. Donc nous avons tenu un entretien très fructueux en la matière. On parlait de partenariat entre Togo et le Fonds vert du climat. On a un très fort partenariat. On avait plusieurs des projets qui sont en train d'être implémentés. Ici, dans notre centre, nous sommes en charge de l'éducation pour le changement de mentalité des jeunes. Dans ma région, ma sous-région, l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Je me sens honoré par cet accueil et je vous dis grand merci. Et au nom du peuple togolais, je voudrais remercier mon ami et remercier tous les membres de ce centre. Il y a beaucoup de spectateurs qui regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés. Si vous êtes dans le cas, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait du bien. C'est un signe d'encouragement. Merci pour ceux qui sont abonnés.